Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques? Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Fait flipper cette bonne femme. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le choix. C'est ton destin. Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter voir un médecin? Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas? Et c'était Paul qui m'appelait. Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas? Tu repars pas en Mongolie pour faire avancer la science? Ça dérange qui? Moi, ça me dérange. Tes pouvoirs grandissent. T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte. J'essaie juste d'aller mieux, Louise. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas un peu de ma gueule, votre grand-mère. Juste avant de mourir, on s'est juré qu'on se reverrait.